بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chapitre 239 un petit chapitre mais qui fait nous réfléchir beaucoup باب فضل العبادة في الحرج chapitre l'ouverture l'excellence de faire ibadat, continuer à faire ibadat, fi al-haraj, al-haraj veut dire wahua, comme Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, a expliqué, wahua, al-ikhtilatu wal-fitanu wa nahwuha. Et c'est al-ikhtilat. Al-haraj veut dire, al-ikhtilat veut dire mélange, littéralement, tel est le mot pour expliquer. Et al-fitan, fitan c'est pluriel de fitna, fitna qui veut dire des odes, veut dire ban test qui Allah fait, ban tribulation qui est là. Wanahuha est ben quelque chose qui paraît comme ça. Donc, al-haraj, généralement, c'est façade, c'est désordre. C'est, comme ben ulama explique nous, djimoun en masse, la majorité djimoun, fin tourne les dos avec Allah, fin tourne les dos avec l'islam, avec l'enseignement Coran, avec sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Djimoun dans raflat, djimoun in tourne les dos, depuis Allah sur zikar. Et fin vin difficile, finalement, pour vivre comme un bon musulman, fin vin compliqué pour faire ibadat. Quand ça dit monde qui peut faire ibadat là, ça dit monde qui peut suivre din bien là, les sentili comme on dit li li apport. Ben voilà, on explique nous qui là nous gagne ça mot ikhtilat. Ikhtilat veut dire mélange. Ça veut dire ce qui est bon, ce qui est pas bon, une mélange là. Non seulement les difficiles dans la pratique, que ce soit peut-être politiquement, que ce soit socialement. Les difficiles, les compliqués, ou soit financièrement, mais intellectuellement aussi pareil, moralement aussi pareil. Les vins compliqués tellement dit monde rentre dans confusion. San lala dit ça, l'autre lala dit ça, San lala discute l'autre lala, finalement, ça si c'est cela, il n'est plus qu'un équilibre pour faire. Qui san la qui a raison, qui san la qui a tort, et la confusion, et la fuite l'autre. Tellement ban mauvais quelque chose, en l'autre façon nous guetli, tellement ban mauvais quelque chose. Fin vin acceptable, ban quelque chose qui tient pensable dans le passé. Fin vin acceptable à ce là. Et tellement ban bon quelque chose, qui n'a beaucoup vertu. Dimoun pas prend compte, et dans certains même, ban dimoun diabolise li, que finalement, ça la ligne qui est là entre le bien et le mal. Ça la ligne qui est là entre vertu, avec ce qui est mauvais là, ligne vin blurred. Ligne n'est plus clair la ligne là. Finalement, pas connaît qui est bon, pas connaît qui pas bon. Et ça, à l'époque là, nous dans ça, à l'époque là, nous dans l'époque côté la confusion, nous get li d'une façon, c'est pas interreligieux. Nous prenons l'exemple concret, get l'homosexualité. Si un dimoun croit là-dedans, couvre ça, qui fait? Parce que Coran clair. Quand Coran indien a fait clair, indiscutablement, si un dimoun a le compte ça, ça veut dire directement il peut le compte Coran, c'est couvre ça. Allez, nous guettons un coup à se dire combien de musulmans ils tombent dans sa pièce là. Combien de musulmans, je même, je t'en rentre dans l'homosexualité. Allez, pas faire rien, nous laissons ça de côté. Combien de musulmans qui parlent là-dedans, mais qui disent, correct ça. Ben là, puis réclament ce droit, laisse-le, donne-le ce droit. Je n'ai un droit, non. Allez, ce sentiment ça. Tombe dans ma pièce. Et là, même, elle croit qu'il finalement, dit mon là, il n'est comme ça. Est-ce qu'il y a là pour faire un dit mon n'est comme ça après pour pinili? Je n'ai pas pu accepter que c'était une maladie ça. Pareil, comment ben, les autres maladies contagieuses qu'il y a. Un dimon y a un Covid qui vous fait aller. Contagieux ça. Ou prend lui, ou met lui dans l'isolation, ou traite lui jusqu'à lui bien. Ou soit jusqu'à lui mort. Considère ça comme une maladie sociale pareil, ça, homosexuel là. Isole lui. Traite lui. Alors, ça c'est un exemple que nous pouvons prendre. Comme ça encore, comme l'exemple. Zina, par exemple. Une turpitude, comme Allah dit dans le Coran. Mais seulement zina, il vient tellement, tellement commun aujourd'hui que, bien un problème, dimon accepte. Sans lala, il y a un commérage avec l'autre lala. Ok, correct, c'est normal. Quand longtemps, à peine capital appliqué, aujourd'hui, c'est normal, pas de problème. Ou soit, ben, quelque chose de vertu. Par exemple, qui aime madame, les besoins couverts, les bien. Ça, c'est son nature, ça. Aujourd'hui, il diabolise ça, quand ça tifie musulman, là, quand il commence à couvrir les bien, toute qualité rigole, pour gagner, toute qualité insulte, il pour gagner. Commence par sa famille même. Ben, membre de sa famille même, pour commencer à dire, qui te peut faire? Vous connaissez, on connaît des histoires.
Et dans certains pays, que finalement, mettre la loi, s'il met ça, il n'est pas pour qu'il ait une place, il vient payer la manne. S'il met ça, il n'est pas pour qu'il aille dans l'école, il n'est pas pour qu'il aille dans l'université. S'il met ça, partout bloqué avec. Trouver là, peut faire vertu, vient une mauvaise affaire. Un dimon, il commence pas de pratique sodine, bien, finalement, dans certains pays, appelle les terroristes. Mais dans sa époque-là, dans sa situation-là, finalement, il vient difficile. Et une fois, dimon là, il gagne peur. Et une fois, dimon là, il n'a pas envie d'exprimer son identité islamique. Et quand il a pour faire ibadat, il n'a pas fait son ibadat. Quand il a pour mentionner Allah, il n'a pas mentionné Allah. Et une fois, surtout pour les jeunes, dans certaines sociétés, Mauricie, pareil. Comment dire, une fois, le plus facile pour lui, il fond dans la foule. Ben là, peut faire comme ça, laisse-moi faire pareil, moi aussi. Tu fais là, peut dire, mon camarade, pas couvert, qui fait moi, pas le couvert, il est beaucoup compliqué. Laisse-moi pas couvert, moi aussi. Garçon là aussi, pareil, il rentre dans sa chose là. Alors, vertu que trouver là. Trouver, nous n'avons pas besoin de faire djihad, non. Nous n'avons pas besoin de prendre l'épée. Nous n'avons pas besoin de trappe physique. Mais seulement, ça ne veut pas dire qu'il nous paye un djihad pour faire. Plus grand djihad là, nous n'avons pas faire djihad de nafs. Nous avons besoin de la guerre contre nous-mêmes et contre nous l'environnement immédiat pour qui nous instituer, pour nous conserver din, Coran, sunnat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans nous la vie. Alors qui veut dire haraj, tout ça, complication là. Peut-être un autre dimon dans l'autre époque, si un autre dimon dans ça, il peut prendre Riyad ou Salihin, il peut assiser, il peut expliquer ça, 500 ans de cela. Peut-être lit cette définition un petit peu différent. Un premier des phrases, c'est pour pareil. Après, comment l'on définit elle pour différent? Nous définissons elle différent. Peut-être 200 bananes après, un autre du monde pour définir elle différemment, parce que ça, il reste changé. Alors, vertu qui est là, c'est quand un du monde le fait, il est ferme là-dedans. Il est plus difficile, il est pour toute qualité contrariété. Nous pas qu'à dire dans Maurice, nous pas qu'à dire qu'il est difficile pour nous. Malgré un challenge psychologique qui nous ban jeune peut faire face, mais seulement si on a envie de faire namaz, on arrive à une place, on a le beau la mer, on a envie de faire namaz, zohar, vous êtes un nat en bas fila ou qui t'aime pour dire ou quelque chose, au contraire, du monde pour respecter ou. Quand une madame met hijab, lui, moi aussi, est-ce qu'il y a la loi contre lui, est-ce qu'il y a un problème contre lui? Problème là, il est dans la tête du monde, ça. Mais seulement, il est capable de faire un problème, on met tout bonnet, on met tout djoubba, ou un long labob, pas de problème, au contraire, du monde pour respecter vous. Au contraire, si un du monde pour besoin l'aide, premier du monde, il pour venir tout même. Remarque ça. Si un du monde, un mendiant, puis envie de demander quelque chose, comment il trouve un du monde avec la bob là, avec bonnet, il peut aller vers lui-même premier. Il connaît lui, sa bande là, ça a une autre qualité ça. Alors, dans Maurice, nous pas capable, mais il y a un pays, que ça devient vraiment difficile. Alors, peut-être, on ne connaît pas un jour Allah pour dire nous concernant sa liberté, sa facilité qui nous gagne pour nous pratiquer nos dînes là. Nous avons un pays qui nous parle répondre. Comparons-nous avec Bandimoun dans les autres pays qui peuvent besoin lutter. Qui peuvent besoin lutter, par exemple. Pour certifier, il est capable de tenir sa hijab là, le sur la tête, hein, dans l'Inde, avec dans beaucoup dans les autres pays. Qui quand c'est ses efforts, il peut bien faire. Qui quand c'est ses sacrifices, il peut bien faire. Alors nous avons une vertu qui est là quand un dîmoun est ferme. Alors, hadith 1367, An Ma'qal ibn Yasar, radiyallahu anhu, qu'elle rapporté par Sayyidina Ma'qal ibn Yasar, radiyallahu anhu, lui dit, qu'elle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin dit, Al-ibadatu fil haraj. Ibadat dans haraj, ça veut dire dans sa situation confusion, comme on définit là, comme on décrit là. Si on dit, mon litinifem, l'ibadat, l'enseignement Coran, le sunnat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'audin. Alors, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, li pareil, comment dire, hijra vers moi. Hijra vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire, nous connaît hijra, qui veut dire hijra. Quand nous gâtons dans ce côté linguistique, c'est sortir une place, aller une autre place. Et dans Sharia, ça veut dire, c'est ça, événement, ça grand événement qui finit arriver. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit Makkah, finit al-Madina. Alors, il est sorti ensemble avec Sayyidina Abu Bakr, Siddiq, radiallahu anhu. Et là, final avant lui. Et là, la majorité finit après lui. Alors, il dit, quand vous faites ça, vous tenez ferme l'audit, vous faites ibadat, dans l'époque, quand vous avez haraj, quand vous avez fitna, confusion, alors, comment dire, vous faites hijra vers moi. Ça, c'est un grand travail, ça. Imagine, vous pouvez faire hijra vers Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'en a pas été content de faire ça? À ce là aussi, qui s'en a pas été content, les déménager, il y a le reste dans Madina. Bon, ça, il n'est pas possible.
Seulement, il n'est pas possible. Alors, faire hijra vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hijra, c'est un événement qui est extrêmement important, un des plus grands événements qui finit arriver dans le calendrier islamique. D'ailleurs, nos calendriers, ils commencent par ça. Beaucoup de changements finissent arriver après ça. Fondement l'État islamique finit commencer avec hijra. Donc, hijra vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une grande affaire. Hijra, il y a une autre meaning, une autre signification, l'ima'anawi, ça veut dire, il y a une signification plus abstrait. Comment nous trouver à la lumière du hadith? Alors, hijra, c'est aussi qui indimon, li quitte quelque chose haram, li bouge vers ce qui halal. Li quitte ban muharramat, li al vers ce qui halal. Donc, li considérer, quand nous gâtons d'une façon ma'anawi, ce qui dit mon là, li peut quitte haram, li peut quitte ce qui Allah pas content, li peut al vers Allah subhanahu wa ta'ala, sous satisfaction. Donc, applique-li dans man, si l'occasion, ou ça dans man grand l'occasion. Par exemple, en cette occasion, ou parmi les gens, il y a un gathering, il y a une fête, il y a une rencontre, il arrive les namaz, personne ne fait pas namaz. Si ou pour faire namaz, ou pour the odd one out, là, qui vous fait? Beaucoup de gens font là. Beaucoup de gens, Satan embête lui, même il embête lui. Il dit, non, on va aller, on va faire. Après, on va faire. Les gars, ils ont été. 10 bouteilles, on va faire au namaz. Les difficiles, là, parce que là, avant de faire namaz, on a besoin de trouver une place. On a besoin de trouver une place pour faire oiseau. Pas faire rien. Rodli. Même si ça pour besoin de rendre certains dimons pas fait rien. Dimons besoin connaît un tel indibouté pour faire namaz. Jodi ou tout seul, demain pour un dimon avec vous. Après ça, un dimon pour continuer. Parce que quand même dans tout ça, dimon là, et un dimon qui se roule, il est encore vivant. Ça pour pince lui. Eh, qu'est-ce que ça l'aide de faire namaz? Moi, je ne peux pas le faire. Et si l'autre coup, moi, pour faire ensemble avec lui. On peut trouver barakat là pour venir ça. On a le beau la mer, tout dimon qui a misé. Il arrive là pour faire namaz, ou tout soleil, puis il a couché là pour le rater là, 10 bouteilles faire namaz. Et donne d'awa, ben des gens qui sont autour, ben des gens qui vous connaissent pour écouter où? Aux enfants, aux familles, aux frères, aux sœurs. Venez, venez nous faire namaz. Pas laisser les namaz aller. Un exemple, je prends, comme ça encore, beaucoup d'exemples, nous capables de prendre. Un hadith nous cite, après nous terminer, Rasoul Sallam dit, Bada al-Islamu ghariba. L'islam finit de commencer gharib. Gharib, il ne faudrait pas nous prendre lui dans, terme, dans ce sens ourdou qui veut dire misère, non. Gharib, en arabe, veut dire étrange, drôle. Alors l'islam finit de commencer étrange. Tout le monde peut prier statut, tout le monde peut faire une atrocité. L'islam, il finit de réformer tout. Il finit d'amener le tawhid. Alors, un des musulmans qui commence là, là, tout le monde peut trouver ça étrange. Après ça, l'islam finit de gagner. Il finit répandre partout dans le monde, l'État islamique finit commence contrôle partout. Donc l'islam n'est plus étrange, l'islam finit devenir la norme, master. Là, le Rasoul Sallallahu Alayhi continue de dire wa sayaudu kama badaa ghariba. Et il pour revenir, pareil comme il a commencé étrange, il pour revenir étrange encore. Alors que nous arrivons. Que un monde pour être un bon musulman, du monde pour trouver étrange. Là, le Rasoul Sallam dit Fatouba lil ghuraba. Alors, donne bonne nouvelle à ban étrange. Ban dimoun qui étrange là, donne une bonne nouvelle. Et là, certains ban ulama expliquent, dans l'almi hadith, que Touba, c'est aussi un pied dans Jannat, qui, si un dimoun li voyage depuis un côté, ça veut dire dans l'ombrage pied là, il peut voyager pendant 100 ban années. Il peut encore dans l'ombrage pied là. Et Touba, donc dans le dictionnaire, vous trouvez Touba veut dire une bonne nouvelle, donne bonne nouvelle à ban qui est étrange. Là, ban sahaba demandait qui sont la manhum al-ghuraba ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont là ça? Ban ghuraba, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslihun ida afsadan nas ou soit afsadan nas. Ban dimoun qui veut faire réforme. Plusieurs réponses l'ont donné d'après plusieurs riwayat. Par exemple, un riwayat lui dit an-nuzza min al-qaba'il. Un dimon qui les retire lui-même depuis, nous dit, la civilisation. Une fois, dimon là, pour lui, qu'il pratique ce dîne, il a besoin d'un côté. Il n'a pas qu'à rester ensemble. Ou soit, il a dimon, il a besoin de faire différent. Et c'est riwayat que nous trouvons plus souvent, parole qui nous trouvons plus souvent dans un riwayat, c'est qui? Ça dimon qui, quand un dimon peut faire des autres, peut faire façade là, il peut faire réforme. Ben là, peut gâter, il peut dresser. Ben là, peut gâter la société, il peut dresser la société. Tout le temps, il peut faire réforme, tout le temps, il peut réessayer, tout le temps, il peut faire islah. C'est ça, ça dit Mounla. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre parmi ça, dit Mounla. Ben, dit Mounla qui fait tout le temps islah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rester ferme dans l'ibadat, dans ce zikr. Même, qui qualité nous l'époque invinie, même s'il y a un haraj, comme nous avons dit là. Surtout pour nous, ben jeunes, qui bien souvent, je tombe dans confusion. Je manque ça, la force là.
qui Allah subhanahu wa ta'ala donne notre compréhension, donne notre certitude dans notre dîn, donne notre la force pour tenir et pour rester ferme le dîn, pour rester le istiqama. Nous faisons droit pour nos frères, nos sœurs, en tout le monde, qui peuvent passer par des difficultés, qui peuvent payer ça avec la vie, et qui peuvent passer dans une situation atroce, juste pour être capable de pratiquer notre dîn, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne notre la force, faire des affaires faciles pour notre. Et nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa wab et donne nous sa. Et accepte nous parmi les gens qui font faire hijra vers Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.